Les répétitions du 14 juillet continuent sur les Champs-Élysées. Un spectacle toujours impressionnant, suivi par des milliers de spectateurs, téléspectateurs. Julie Poirier est allée à la rencontre des délégations invitées cette année, le Japon et Singapour. Voilà, ultime répétition ce matin sur les Champs-Élysées pour les délégations invitées d'honneur. Commandant, nous avons à la fois ce matin le Japon et Singapour, c'est voilà, ça ? Tout à fait. Le Japon, qui représente, c'est une délégation des forces de l'armée de terre, qui sont plus une force de sécurité civile, et une délégation de Singapour, de l'armée de l'air, où il y a un partenariat entre la France et Singapour, où les pilotes viennent s'entraîner chez nous à Cazaux, dans le sud-ouest de la France, car l'espace aérien de Singapour est trop petit pour eux. Voilà. Alors voilà, ce matin, vous voyez, on est prêt à partir pour l'ultime répétition. Ici, pour le défilé du 14 juillet, tout doit être parfait, c'est-à-dire tout doit être millimétré pour la grande fête nationale qui se tiendra donc samedi 14 juillet ici à Paris.